Oh, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous l'avais promis dans mes vidéos de Tsubasa. Ouais, on va faire une tier list. Ouais, ça marche plutôt pas mal ces derniers temps. J'ai vu, il y a des tier list de partout sur tout YouTube. Donc je me suis dit, pourquoi pas moi? Et évidemment, sur Captain Tsubasa. Et sur le Captain Tsubasa Dream Team, nous avons... J'ai trouvé en fait une tier list possible sur tous les Dream Fest. Et donc on va faire ça. Donc c'est mis sur S, c'est les meilleurs, le A c'est pas mal, etc. Vous avez compris le système, D c'est les moins bons. Bon, a priori les Dream Fest en général ils sont pas dégueulasses, donc il n'y a pas vraiment à mon avis de très mauvais. Mais bon, il y en a qui datent peut-être un petit peu, etc. Donc on va voir ça. Allez, on commence. Donc ici nous avons ce petit bonhomme. Nita. Bah, Nita est quand même plutôt bon. C'est pas non plus le top du top. Donc on va le mettre en A. Je trouve plutôt bon. Je l'utilise plutôt pas mal. Et donc en attaque. Bah, il marque pas tout le temps. Donc il est quand même pas non plus hyper boosté. Mais ça va, il fait le taf. Ensuite. On a lui le petit Aoi. Lui je l'utilise surtout en milieu def. Il est plutôt pas mal. Il date un petit peu, donc mais il fait toujours le taf. Il est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons l'ami Ricoré. Non, pas du tout. Moi, okay, j'ai des problèmes avec les noms. C'est un peu compliqué. Donc, je vois très bien qui c'est. Julian Ross. Hein, voilà. Et il commence un petit peu à dater. Hein. Donc, lui, ça serait bien qu'il se tape un petit boost. Comme certains autres ont déjà eu. Ça lui ferait pas de mal en fait. Pour qu'il soit de nouveau un peu plus au top. Donc pour l'instant, disons qu'il est un petit peu diminué. Quoi. Ensuite, nous avons un des frères Tachibana. Qui est plutôt pas mal. Il frappe plutôt assez fort, je trouve. En plus, je crois qu'il a une interception automatique, donc c'est plutôt intéressant. Et c'est pas le top du top, quoi. Hein. Alors, par contre, son frère, lui, je l'utilise surtout en milieu def aussi. Et lui est plutôt quand même un petit cran au-dessus, je trouve. Bon, il a rien d'automatique, lui, par contre. Lui, c'est sûr. Mais je l'aime bien. Je l'aime bien. Bon, c'est pas le top, mais je l'aime bien. Alors, ensuite, nous avons... Ouais. Bon, lui, je l'aime bien. Lui, je l'aime vraiment bien. Il mériterait un petit boost. Parce que ça fait un petit moment, mais même sans boost, il reste...
vachement potable, moi je trouve. Donc allez, on va le. Je trouve que lui, il mérite d'être dans les S. C'est un des premiers défenseurs vraiment très fort qui est sorti sur le jeu. Et il reste plutôt pas mal. Si on le booste bien, etc., il reste totalement potable. Alors ensuite, ouais, on a lui. Bah, il a eu son boost. Je le fais jouer, hein, surtout quand on fait une team japonaise, il est bien, quoi. Mais je peux pas le mettre en S, quoi. Je trouve qu'il doit rester en A. Malgré son boost. Alors, ensuite. Bon, lui, je vais le mettre en S. C'est peut-être pas encore le meilleur des gardiens, je ne sais pas. Mais c'est le meilleur que j'ai. Et quand on le booste bien, c'est quand même plutôt pas mal. C'est du costaud. Je l'aime vraiment beaucoup. Et alors là, le Yuga. Yuga. Le Yuga, le obligé de le mettre en S. En plus, je l'ai monté presque à fond, hein, dans son tir. Donc je peux vous dire que il fait très très mal. Et donc il me plaît bien. Il y a son petit frère qui est sorti il n'y a pas longtemps en rouge. Bah il est pas mal non plus, quoi. Hein, mais je l'ai pas, donc. Donc comme je l'ai pas, on va le laisser en A pour l'instant. Mais il est très fort. Enfin, en plus, il donne 12% sur le rouge. Il est pas mal. Hein. Alors, Ishizaki. Ben pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs quand même. Je l'aime bien. Il est quand même assez costaud. Je pense qu'on peut le mettre aussi dans les tops. Pour moi, si on a déjà lui en défense, c'est quand même plutôt pas mal. Alors. Ouais. Bah lui, je vais le mettre en A. Je suis pas hyper fan. Par contre, le Tsubasa rouge, lui, c'est du lourd. Il mérite d'être dans les tops, bien sûr. Avec son frère d'armes, qui est super, super passeur, super machin. Donc lui, il est obligé d'être dans le top. Alors, lui je l'ai pas, mais je sais que c'est un des meilleurs gardiens, donc je suis obligé de le mettre en top. Il est super fort. Il arrête tout. Ou presque. Faut vraiment le descendre pour arriver à marquer. Donc on va le mettre là. Lui, je sais pas, je l'ai pas, donc je peux pas dire s'il est vraiment très 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 fort. Je crois quand même que le Wakabayashi, il est quand même un peu meilleur. Donc je vais le mettre là. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais voilà quoi. Alors, le Diaz, eh ben, il a eu son boost, je crois, il me semble. Ouais, il a eu son boost, il me semble. Il est pas mal, mais je l'aime pas. Bon, je vais le mettre dans vraiment C parce que je l'aime pas. Voilà. Par contre, le Diaz bleu est quand même vachement meilleur. On va pas se le cacher.
Donc lui, on va le mettre en A. Pour moi, c'est pas un top. Il est moins fort quand même qu'un Tsubasa, je trouve. Il est moins intéressant. Lui, je connais pas, mais je peux pas vous dire. Mais je sais pas du tout ce qu'il vaut. Je vais le mettre ici, mais c'est parce que vraiment, je sais pas. Je l'ai pas, donc. Et je l'ai rarement vu en fait, donc. Je sais pas du tout. Par contre, lui. Il est très très fort. C'est un des derniers qui est sorti aussi, donc c'est un peu logique. Mais je le trouve assez costaud. Il a un gros gros tir. Alors, le caillou. Ouais, le caillou. Il mériterait un boost. Je sais pas s'il en a un. Je l'ai pas en fait non plus. Donc, je sais pas s'il faudrait pas qu'il ait un boost. Alors, Napoléon. Ben, Napoléon, il commence un peu à se faire vieux, hein. Donc, ouais. J'hésite même. Je crois que je vais même le mettre en B. Même s'il est encore utilisable, hein, parce que si on lui met, si on lui met un petit caillou avec lui, ça le booste. Donc, ça reste encore jouable, quoi, mais. Mais pour moi, il est plus au top quoi. Il est vraiment plus au top. Alors, le gardien bleu là, bah, il est bon, mais il est pas top pour moi. Il n'est pas encore top. Bah, il va beaucoup y avoir de A. Hein. Le top du top, c'est vraiment les incontournables quoi. Faut que ce soit incontournable, quoi, sinon c'est pas possible. Alors lui, je vais le mettre en A aussi. Parce que c'est quand même. Ça reste encore un mec qui est quand même plutôt bon. En plus, il a une interception automatique. Ça peut vachement aider quand on joue contre des gens, même contre l'ordi qui fait des passes de 10 km. Ben, ça fait du bien qu'il soit là pour les intercepter. Et bien boosté, ben, il reste quand même toujours potable, moi je trouve. Donc voilà. Lui, ben, je le connais pas bien en fait. Je sais pas du tout. Je vais le mettre en A, s'il veut. Je le mets en A, mais vraiment par. Parce que je le connais pas quoi. Donc voilà quoi. Par contre lui, il est quand même vachement costaud. Lui, il est pas mal. Moi, je l'aime bien. Je le mets en A parce que bon, je pourrais presque le mettre en top quoi. Allez, on va le mettre en top lui. Je le trouve quand même vachement costaud. Le Schneider. Eh ben le Schneider, il est costaud, mais pas assez pour être en top. Il marque pas à tous les coups. Franchement. Alors le vert, je sais pas du tout. Je le connais pas. Dans le doute, je le mets en B parce que je le connais pas. Je devrais même pas en fait le mettre dans la tier list parce que je le connais pas. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. Alors, lui, bah, il est pas top. Hein. Il mérite quand même un petit boost aussi parce que il commence un peu à dater. Je l'utilise pas beaucoup en fait. Donc non, non, non. Lui aussi mériterait un petit boost, mais je le trouve quand même encore bon. Donc je le laisse en A, mais il mériterait
une petite évolution là. Ça pourrait être pas mal. Lui, je sais pas. Je sais pas du tout. Je connais pas bien. Il me fait pas peur, donc quand je l'ai en face de moi, j'ai pas peur, donc voilà. Alors lui, je sais pas non plus trop. Donc je le. C'est vraiment dès que je connais pas avec lui non plus, je connais pas bien. Je crois quand même que lui, il est bon. Mais lui, il est bon. Allez, lui, on va le laisser, on va quand même le mettre là. Je pense qu'il mérite, mais les autres, je connais pas. Donc voilà. Lui est pas mal, mais c'est pour moi pas un top. Il est bon, mais pas top. Pourtant, c'est un des derniers qui est sorti aussi, mais c'est plutôt moyen, quoi. Il a un bon tir, quoi, hein, mais bon, voilà, quoi. Alors lui, eh ben, je peux pas le mettre en top, mais vraiment pas. Et c'est pas un mauvais gardien, mais il encaisse quand même beaucoup, je trouve. Et si tu lui mets un autre arrêt, il l'encaisse carrément, quoi. Je lui avais mis un autre arrêt S. C'est naze. Non, il est vraiment pas bon. Alors, lui. Ben, il est pas mal. Lui aussi, souvent, je le mets en milieu def. Dans ma team rouge. Mais il mériterait peut-être un petit boost quand même. Mais il est toujours utilisable et bon voilà. Ben, c'est tout des Dreamfest donc ils peuvent pas être totalement mauvais quoi. Mais ceux qui commencent à dater, ben ils sont un peu dépassés, tu vois. Donc voilà, mais c'est comme lui quoi. Il est fort, il était très fort quand il est sorti. Mais bon, il est beaucoup moins fort que le bleu. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. Je vais le mettre en top parce que je sais que c'est un des derniers qui est sorti, donc il peut pas être mauvais. Donc, mais je le connais pas plus que ça en fait. Donc, je peux pas dire. Alors lui, bah. C'est un peu comme le Napoléon en fait, il commence un peu à dater. Et il reste bon parce que si on le met avec Anatoreza, ben, du coup il est un peu boosté, donc ça reste pas mal. Le Naturezza a eu son boost, mais il commence vachement à dater quoi. Lui, je vais même pas le mettre en top. Les boosts, c'est pas toujours top quand même. Ça rattrape pas toujours le retard qu'ils ont, quoi. Enfin, je trouve, mais. Bon, Rivarol, je vais quand même le mettre en top. Parce que malgré qu'il n'ait pas de boost encore, ni des, enfin, pas d'évolution. Oui, quand je dis boost, c'est des évolutions, machin. Ben, il reste quand même plutôt pas mal. Je trouve qu'il est au-dessus quand même d'un Naturezza. Il a quand même beaucoup de trucs qu'il peut faire, etc. Donc, voilà. Et alors lui. Le défenseur, un des derniers défenseurs qu'on a eu, que j'ai eu, que je suis très content, bah lui c'est un top du top. Il est super fort, c'est une bête en défense. Lui c'est une vraie bête en défense quoi. Donc voilà. Ben voilà, on a eu quelques trucs. Le pauvre le pauvre Diaz que j'ai mis en C, qui se sent peut-être un petit peu tout seul. En vrai, j'aurais peut-être pu en mettre d'autres avec lui, quoi, mais
Mais bon, ça reste tout des Dreamfest, donc ils peuvent pas être totalement mauvais non plus, mais... Mais voilà, dites-moi si vous êtes à peu près d'accord avec moi. Bon, il y en a où je les ai mis un peu par défaut parce que je les connaissais pas suffisamment. Mais mon top du top, je trouve que si on a ça dans sa team, je crois qu'on est plutôt pas mal. Mais voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais voir s'il y en a d'autres intéressants à faire. J'ai vu qu'il y avait les Dream Collection, mais je les connais pas assez. J'ai jamais eu beaucoup de Dream Collection, donc je peux pas vraiment faire. Et sinon, il y a tous les randoms, mais il y en a un paquet monstrueux. Je vais faire une vidéo de 50 minutes, quoi. Et je les connais pas tous non plus, quoi. Donc, ou alors je le fais rien qu'avec ceux que je connais. Ça peut être faisable. Mais dites-moi si ça vous a plu. Et voilà, on verra déjà si ça vous a plu. Et sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous, plein de poutous. Prenez soin de vous. Et goodbye les gens.